bonus est dans la poche et aujourd'hui on est en direct du carnaval de Bâle. Le dimanche gras seulement. On démarre notre carnaval avec la société Les Récalcitrants. Les Récalcitrants, vous êtes combien? Dans notre cagnotte, on est 12. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? Alors là, on descend vers le centre. On va commencer à se regrouper avec toute la société pour qu'on puisse après faire un rando et pour après aller manger un bout et pour refaire le cortège d'après-midi qui partira de la gare. Aujourd'hui, c'est le premier jour, il faut y aller à l'économie. Oui, un peu quand même. Parce que sinon, là, les réserves ne seront pas assez bonnes pour la suite. On est avec quelle société ici? Le ZEC. Comment on sent là maintenant le dimanche à 10h30? Ah ben vous voyez, bon, on n'ose pas trop vous le dire, mais disons que le bon Dieu, il y avait un choix comme on dit chez nous. Quand même. Vous voyez? Comme aujourd'hui, par exemple, un temps super bleu. Par contre, nous avons deux supporters des mauves qui ont une couleur assez de par leur victoire, soi-disant, hier. Ouais, le carnaval, c'est le jour des faces ici. Est-ce que vous savez pourtant que le carnaval, il a commencé vendredi à Leuze? Ben non, nous ne suivons pas trop le carnaval de Leuze. Eh bien, on va aller voir ça parce qu'en fait, c'est à l'Athénée provinciale de Leuze. Vous venez avec moi, on va voir? Ah ben... Ce sera difficile quand même aujourd'hui. Hein. Bon. Attention messieurs, c'est le carnaval des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui circulent, soyez prudents. Pas une seconde à perdre. À pied, à trottinette ou en voiture, rendez-vous à l'Athénée provinciale de Leuze pour les jeux du carnaval. Nous organisons traditionnellement, avant les carnavals, une journée d'accueil d'école primaire. Autour d'une série d'activités à la fois ludiques, oui, mais aussi intellectuelles et qui permettent aux jeunes de découvrir notre école, mais à nos élèves également, de participer à une série d'activités et de prendre des responsabilités parce qu'ils doivent imaginer les épreuves et ils doivent aussi les gérer. Une douzaine d'épreuves au programme de ces jeux, pas vraiment olympiques, il y en a pour tous les goûts. On est là pour montrer comment on s'occupe d'un enfant et comment on fait l'échange. C'est mieux que jouer à la poupée? Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici à cette épreuve? On doit sauter sur le tapis pour qu'il avance le plus loin. Et quand on arrive de l'autre côté, on doit sauter à chaque fois, ainsi de suite. Ça m'a l'air un peu tordu comme épreuve, hein? En gros, faut mettre du liquide dans le tube et voir si ça déborde ou pas. Et si ça déborde, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais pour s'amuser. C'est la salle de sport ou le zoo ici? Ça peut les deux. Hein. Et peut-être aussi pour se faire peur. Est-ce que tu as peur? Vous êtes venus armés, vous autres? Oui. Parce que le clown tueur, là, on avait envie de lui dire... Il était sympa, mais s'il nous faisait trop peur, on pouvait lui tirer dedans. On retombe un peu en enfance? Oui, quand même, hein, mais bon. Ça fait toujours plaisir de s'occuper des plus jeunes. Et c'est une journée assez cool aussi pour nous, donc... Et maintenant, on va se remplir l'estomac. Vous allez servir combien de cacao? 42 équipes, plus ou moins 10 élèves par équipe, ce qui fait un petit 400 élèves. Et 400 cacao? Et 400 cacao. À la fin, bien sûr, ce sont les meilleurs qui gagnent. C'est qui les meilleurs? Les plus qui font! Les chatons noirs! Mais comme toujours, le plus important au carnaval, ce sont les congés. Vous êtes vraiment des jeunes indépendants parce que la moyenne d'âge, elle fait quoi? Ici, on est à 22 ans, moyenne d'âge. Ah ouais, vous êtes l'avenir. On est vraiment les jeunes indépendants. Attention parce que le caméraman a failli se prendre une bordure. Ouais. Ça va être quoi votre programme? Les autres, vous à droite, vous allez où? Alors ici, on fait le tour de Binge. Clairement, on fait le tour de Binge. C'est le principe, c'est que d'essayer d'être au maximum dans le centre de Binge et qu'on s'amuse au maximum pour nous et aussi pour les gens qui viennent visiter Binge pour la première fois. Vous arrêtez où? Alors ici, on va s'arrêter ici à 100 mètres et après, on va s'arrêter sur la place de Binge. Ok. Je vois que ça a commencé tôt là, vous n'avez pas bu que du café? Ah non. Directement en champagne, Binge oblige, champagne directement, mais bon, c'est le folklore, on s'y habitue. Hein.
C'est votre nouvelle cuvée? Oui, c'est notre machine à remonter le temps. Et ça marche? On verra bien dans 3 jours. Bon, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de carnaval sans déguisement. Eh bien, nous, on a rencontré des couturières ici tout près, à l'Institut de promotion sociale Lavage, qui sont en train de préparer les costumes et les chapeaux. On y va. À l'Institut Charles de Liège, on prépare dans le plus grand secret le carnaval. Celui de Binge, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est pour le carnaval de Rio. Oui. C'est le chapeau du carnaval de Dunkerque. Ah, tout à fait. Vous avez attrapé la grosse tête? Non. C'est pour me protéger du soleil. Ben ici, je suis en train de préparer un chapeau de carnaval pour le carnaval de la Louvière. C'est mon chapeau que j'ai fait pour la pièce d'épreuve, hein, de deuxième année, de chapeau. Voilà. C'était pour le carnaval de Venise. Ce chapeau, vous allez le mettre pour soutenir les Diables Rouges cet été? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai mon petit-fils qui me l'a déjà demandé. Il y a des rivalités entre vous? Bon, ouais, de temps en temps, mais c'est bon enfant, c'est pas méchant. Vous accepteriez de quitter Binge pour aller au carnaval de Venise? Non, pas du tout. Ces petites mains agiles méritent un grand coup de chapeau. Sans elles, le carnaval serait bien décousu. Mais au fait, comment fabrique-t-on un chapeau? Il vous faut un moule et un feutre. Et puis, bon, c'est toute une technique assez spéciale. On met de la prêt, on retourne le chapeau, on le moule. Et pour le mouler, il vous faut une chaleur avec de la vapeur. Et la vapeur fait que ça se détend et vous le moulez selon la forme que vous avez choisie. Voilà pour le couvre-chef. Et maintenant, si on allait choisir notre costume? Alors, c'est pour mon fils. Il est Gilles depuis... C'est sa deuxième année dans la Société des Arts Payants. Et c'est un costume individuel. Il s'est basé sur le folklore de Venise. Donc il a été voir un peu les costumes qui ont été faits, il a flashé sur celui-là. Donc on a essayé de le recopier au mieux qu'on pouvait. Habit de fête ou costume du dimanche, à Binche, on entretient l'art de la confection. Il y en a quand même pas mal qui viennent parce qu'on apprend des techniques tout à fait spécifiques, qui sont là pour apprendre à faire des costumes historiques ou des costumes tirés de films d'animation. Voilà, donc c'est un petit peu de rêve chaque mardi. On a retrouvé Brigitte de la promotion sociale. Brigitte, oui. C'était ça votre fameux costume? Oui, voilà, c'était la surprise, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas vous le dire, hein. C'était pas possible. Et comment est-ce qu'on choisit un costume? Écoutez, voilà, il y avait un logis qui avait au moins une dizaine d'années qui voulait faire cette vache Milka. Et comme il a 50 ans de Gilles cette année, ils n'ont même pas voté. Ils ont dit, on va faire plaisir à Patrick, on va faire la vache Milka. Pas de vacherie alors? Pas de vacherie, non. Comment se passe le carnaval? Très bien, très très bien. Merci Brigitte, bon merci carnaval. Beaucoup, merci beaucoup. C'est terminé, enfin presque terminé. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, et en attendant, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Santé !